טוב, בשם השם, נעשה ונצליח בוקר אור, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם, יתברך. On est ce matin, jeudi 7 du mois de janvier, le Kaf Gimel, le 23 du mois de Tevet. Aujourd'hui, ce shiur est dédié pour l'askara de Kuka, Arlette, Bat, Myriam, Nataf, Aleha, Ashalom, Ruach Hashem, Tenahena, Began, Eden, Elion. Que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, élève son âme à un très haut degré. C'est aussi la Shiva de Shimon. Men Rahmouna, Alaba Shalom, Rahashem, Tenahenu, Began Eden, Benjamin, l'Askara aussi de Benjamin, Ben Shalom, Alaba Shalom, Rahashem, Tenahenu, Began Eden, sans oublier Alain Yosef, Ben Yaakov, Georgette et Georgette Baya. Alaïm Shalom, Rahashem, Tenahenu, Began Eden, Elion, Bezrat Hashem, que tous ces noms qui sont dits aujourd'hui pour les Askarot soient bientôt parmi nous avec la résurrection des morts. L'élève Alfei Avdalim, on souhaitera une grande refouach les Mahlama Mira pour mon beau-frère adoré, Jojo. Georges, Eli, Ben, Alice, Amar. Refoua, Shelma, Refoua, Tenefesh, Urfoua, Taguf, Anna, Elna, Refanalo, Anna, Elna, Refanalo. Umitocham, Kol, Chole, Israël, Ubichlala, Moratim, Agdosha, Bataora, Sarata, Batefrat, Myriam, Yanaï, Ben, Esther. Avi, Itzrak, Ben, Dvora. Paezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Rik, Aaron, Ben, Baya. Vechen, Halze, Aderech. Juste un instant. Refoua Shlema pour Franck Yehuda, Ben Fortuny Chaya. Refoua Shlema Chlama Maïra Be'ezrat Hashem Yitbarach. Yitzhak Ben Fortuny Ken. Refoua Shlema pour Doli Tita Bat Mouna Camille. En espérant que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Maurice Moshe. L'élève Alfei Avdalim, ça c'est la Shiva, c'est ce qu'on avait dit. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Il y a aussi les Nishmat Dona Batzold, on l'avait déjà dit hier. C'était pour hier. Bezrat Hashem. Excusez-moi, je regarde en même temps. Refoua Shlema pour Alexandra Batrachel. Refoua Shlema pour Raphaël Ben Fortuna Mazal Mesaouda. Une grande Hatzlacha Bezrat Hashem pour vous tous. Tout ce que vous fassiez, que Kadosh Baruch Hu vous ouvre les portes sur tous vos chemins, Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que de très, 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 très bonnes nouvelles. Amen, ve amen. Tov, le premier shiur de ce matin. Pour l'élévation donc de l'âme de Kuka, Arlette, Bat, Myriam, Nataf, Alea, Shalom, parlera d'une halakha précise que je voulais faire avec vous depuis longtemps, puisque c'est des questions qui me sont souvent posées, à savoir l'importance, d'ailleurs qui comprend le but de ce monde, le tihour à midot et le tihour à gouf. C'est-à-dire que nous avons l'obligation, en tant que juifs, pour pouvoir mieux voir la vérité, être plus objectif, plus d'actualité par rapport à la Torah et les mitzvot, de tout faire pour débarrasser de notre entourage les influences extérieures que nous ne voyons pas, qu'on appelle l'impureté. Sujet qu'on a souvent vu ensemble, développé, expliqué. Baruch Hashem, je pense que beaucoup de shiurim ont été faits dans ce domaine. Mais il faut savoir que si on n'est pas vigilant dans ces mitzvot-là, eh bien, on pourra toute sa vie durant passer à côté de choses essentielles, pas parce qu'on ne les savait pas, mais parce qu'on était comme paralysé de les faire, comme si on était empêché de les faire. Et ce système de Touma, ce système d'impureté qui est autour de nous, se dépose comme des pellicules qui pèsent un poids spirituel extrêmement important sur nous et nous empêchent de pouvoir agir en conséquence. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose parce qu'on le sait, on ne va pas le faire alors qu'on le savait, parce qu'on n'a pas la force de le faire, parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on n'a pas la émouna suffisante de le faire. Et qu'est-ce qui provoque ça? L'impureté. Voilà, simplement savoir cette nekuda si importante. Et c'est pour cela que la première mitzvah qui nous est donnée dans l'action, non pas dans la parole, modéani le matin quand on se lève, c'est modéani, c'est la parole, mais la première mitzvah qui nous est donnée dans l'action, c'est le netilat yadayim. À tel point qu'il y a une marloquette à savoir, est-ce que le keli de netilat yadayim doit être à côté du lit, est-ce qu'on a le droit d'aller jusqu'à la salle de bain? Est-ce qu'on va jusque dans la cuisine? Des sujets qu'on a déjà vus dans le Shulchan Aruch des dizaines et des dizaines de fois. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'abord, Netilat Yadayim est une source de bénédiction, puisque Al Netilat Yadayim enlève la pauvreté, c'est les initiales de Ani, Al, Ain, Nun, Yud. Al Netilat Yadayim, quand on entend les lettres, c'est pauvreté. Ce qui fait que plus on fait Netilat Yadayim, plus on est vigilant dans Netilat Yadayim, et plus on enlève les mauvais décrets de la pauvreté, on fait rentrer la richesse, comme ça dit Rav Yosef dans la Gemara. C'est très important pour nous tous d'avoir, Bezrat Hashem,
la possibilité de retirer de nous toutes les impuretés qui nous permettront que cette main, qui des fois est un peu trop lourde pour donner de la tzedaka, pour faire une bonne action, qu'est-ce qui l'empêche d'agir vraiment très rapidement? C'est cette impureté que nous avons sur les mains. Le problème qu'on a, c'est que l'impureté dont on parle dans le judaïsme, elle est communicative. C'est-à-dire que quand un homme, par exemple, sa femme Kenida, qui est le summum, selon le Zohar Kadosh, le summum de l'impureté, eh bien, un homme n'est pas Nida, il n'a pas le système de la femme, il n'a pas de cycle, il n'a pas d'ovaire, il n'a pas tout ce système. Nachon ? Aval zeno nachon. Pourquoi ? Parce qu'un homme, par exemple, qui touche une femme qui n'est pas sa femme, donc pour lui, qu'un digne de Nida, ou un homme qui touche sa femme quand elle est dans les périodes interdites, eh bien, en touchant sa femme, cet homme lui-même devient Nida. C'est-à-dire qu'il est ma'avir touma. Et donc, que l'impureté passe d'un endroit à un autre. Un peu comme le virus que nous avons, le Covid-19, qui, une personne le possède, et simplement en parlant avec l'autre, sans garder les distances ou sans se protéger, va lui communiquer. Et l'autre va en tomber malade. De la même façon, il faut savoir que les virus spirituels de l'impureté se communiquent par le toucher, le fait par exemple qu'un Kohen ne puisse pas se retrouver sous le même toit là où il y a même pas un mort, une partie du corps d'une personne qui aurait explosé le Halenu Velo-Alechem. Parce qu'il y a une impureté immédiate qui s'installe dans l'atmosphère, et si un Kohen rentrerait sous ce même dôme d'impureté, il se retrouverait lui-même impur jusqu'au soir, au Bashemesh Vetaher, dit la Torah, jusqu'à ce que le soleil se couche, et il ira à ce moment-là se rendre pur. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous maintenant, pour entrer dans le vif de l'actualité, en ce qui nous concerne tous, quand le matin, on se lève et qu'on tarde à faire Netilat Yadayim, qu'on se touche les yeux, le nez, qu'on touche, et c'est ce que je voulais voir avec vous dans le Shulchan Aruch, basé selon Maran, Rav Ovadia Yosef, donc on est avec le Rav Ovadia Yosef. Qu'est-ce qui se passe le matin quand cette fameuse question qui me posait, est-ce que j'ai le droit de manger de quelqu'un qui me donnerait un aliment qu'il aurait touché alors qu'il n'a pas encore fait Netilat Yadayim le matin? Alors je vais vous lire la halakhot. Écoutez bien ce qui est marqué, c'est très important, c'est quatre petites halakhot mais qui valent vraiment le coup d'être entendues au moins une fois par trimestre pour nous rappeler constamment l'importance Bezrat Hashem de Netilat Yadayim. On est dans le Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef. Yesh leizer lechatrila. Il y a lieu de faire attention a priori et non pas a posteriori. De ne jamais toucher quoi que ce soit le matin avant Netilat Yadayim, au mashke, même une boisson, que d'un Netilat Yadayim. Donc on parle de l'Echatrila. On est dans le Shulchan Aruch, on n'est pas dans le moussard, dans la moralité, c'est mieux, tu évolues dans la vie. Non, on parle de Halakhot. Avant de toucher quoi que ce soit, obligation de faire Netilat Yadayim, Shel Shacharit. Pourquoi Davka du matin plus que les autres? Eh bien, parce que la nuit, nous dormons et que la nuit se dépose sur nous des pellicules d'impureté, car notre neshama sort du corps, donc l'impureté se dépose sur nous, et cette impureté est très forte. Shelo itamam benigiato beshum ruacha, et de faire attention, car, comme je vous l'ai expliqué, l'impureté du matin, de Netilat Yadayim, quand on ne fait pas, se dépose sur tout ce que l'on va toucher, y compris nos vêtements, y compris notre propre corps, y compris la nourriture. Mishum ruach ra'a ashura la yadayim, car il, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on appelle donc l'impureté? C'est un esprit mauvais qui, comme une espèce de tache noire, se dépose sur nous, mais qui vit. C'est comme une espèce il y a un nom médical pour ça. Quand ça se dépose, il a une, comme un microbe, non, c'est un, ça vient pas, c'est pas grave. Benegiato, et donc, automatiquement, tout ce que l'on va toucher avec nos mains le matin, si on n'a pas fait Netilat Yadayim, eh bien, tous les objets, les jouets des enfants, par exemple, alors je vous donne un exemple, maman se lève le matin, elle n'a pas fait Netilat. Elle range la chambre des enfants. Elle prend les jouets avec ses mains, elle n'a pas fait Netilat. Elle les range. Il faut savoir qu'elle a déposé sur chacun de ces jouets-là de l'impureté. Vient le soir, l'enfant, lui, il joue avec les objets, il les met sur la bouche. L'enfant reprend cette impureté qu'il dépose sur ses lèvres. Et alors? Il ne va rien se passer, vous inquiétez pas. Ni Chas v'Shalom va tomber malade, ni va se passer quoi que ce soit. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en grandissant, cet enfant aura beaucoup moins de force à chanter des chansons de Torah, mais aura beaucoup plus de force à chanter des chansons des nations du monde. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que, malheureusement, cette influence qui va se déposer sur les lèvres de l'enfant va influencer avec le temps. Bien entendu, le Rambam nous dit que si la personne fait tchouva, c'est rétroactif. Alors, en attendant, pensez à ça.
C'est pour cela que nous dit le Rav Ovadia, il y a lieu d'être très vigilant dans ce domaine et d'être les gardiens de la pureté. Chez Gam et Yeledim Aktanim, car même les petits enfants que nous avons, Yitlud Lidem Lifne, Zenigia, Bemochalim, Obamashkim. Et c'est tellement important que même un nourrisson, pas un bébé, un nourrisson qui vient de naître, on doit lui faire un Nitilat Yadayim tous les matins. Pourquoi ? Car lui-même, même s'il est pur, c'est un bébé, Afalpi Shebialdem Yesh Beze Leizaer Lechatrila. Même si c'est un bébé, Lechatrila, pas Bediavad, pas pour une question d'éducation, parce qu'on veut qu'il soit pur depuis sa naissance, comme Rabbi Yehuda Hanassi. Parce que l'enfant lui-même, il est empreint de Touma. Et quand le matin, tu lui embrasses les lèvres, tu lui embrasses des mains qui n'ont pas fait Netilat Yadayim. La reine, même les bébés doivent faire Netilat Yadayim. Il n'y a rien du tout, tu le prends, on l'a fait, moi j'ai fait avec mes enfants, petit à petit. Depuis qu'il est petit, non seulement ça l'habitue à la pureté, mais ça l'aidera à grandir dans la Kedusha. À la Chabet, Moutar, Liknot Lechem et Afia chez Yehudim, Afilouch, M. Poalim, Benam, Ruzakim, Kebekashrut, Vejitlou, Atide, M. Shacharit, Kadat. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on va acheter, alors quand. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand c'est à la maison, on a quand même une hashgacha. On peut observer soi-même qui a fait Netilat, qui n'a pas fait Netilat, sans jouer les flics. Simplement, à savoir que, bon, je connais les gens de la maison, mais quand je vais à l'extérieur, je vais dire « Bonjour monsieur, vous allez bien, j'ai une baguette, vous avez fait Netilat ce matin ?» Hello, hello, mistader, on ne peut pas poser la question, on n'est pas des flics. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce que dit l'halakha dans ce cas-là? Si, par exemple, je suis invité chez des amis, et je ne sais pas si oui ou non, ils ont fait Netilat Yadayim, toute la journée est passée. Le matin, ils se sont levés, et l'Erteda, il est en train de me servir maintenant. La femme me dit, je vous ai fait un super gâteau. Ok, super, on vient pour manger le gâteau. Mais madame, vous avez fait une étilade ce matin, quand vous avez coupé la pâte, quand vous avez coupé les pommes, quand vous avez coupé et pris dans vos mains les fraises, ou je ne sais pas quoi. Quoique les fraises, ce n'est pas évident à vérifier, mais peu importe. Azatshuva et kacha. La réponse. Moutar liknot, c'est permis d'acheter du pain d'une boulangerie où il y aurait des juifs, où on ne sait pas si oui ou non ils ont fait une étilade yadayim. On ne sait pas. Comme par exemple de rentrer dans une boutique d'une personne profane qui ne pratiquerait pas la Torah les mitzvot, chez Mistama et non Notel Yadav. On sait très bien que lui, le matin, il est certain qu'il n'aurait pas fait Netilat Yadayim. Il a des ongles qui sont longues. Vous savez que les ongles sont très importants pour les hommes, surtout de les couper à ras, parce qu'ils sont un nid d'impureté. Et il n'y a pas lieu de tenir compte de cela. Pourquoi ? Car le Créateur du monde a fait en sorte que, quelque part, le mieux, c'est d'acheter là où... Vous avez compris pourquoi le monde orthodoxe vit en monde orthodoxe. C'est-à-dire qu'ils vont acheter dans une boutique où la personne s'est sûre qu'elle a fait Netilat Yadayim. Ils prennent vraiment des mesures de sécurité qui sont importantes. Le fait de vivre dans un quartier qui est très pratiquant te permet de très facilement surmonter ce genre de choses, ce qui fait que les enfants grandissent plus dans la Kedusha que dans les quartiers où, malheureusement, quand on va sans juger aucune personne, chas v'shalom, voilà, on va acheter chez quelqu'un qui n'est pas shomer mitzvot. Malgré tout, il y a des influences. Est-ce que la halakha nous le permet? Réponse, oui. Pourquoi est-ce qu'elle nous le permet? Parce que le temps, comme malgré tout, il est passé dessus, de qui plus est, c'est pas fait que la kavana, et que c'est permis. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Écoutez la suite. On est dans la troisième halakha, il reste encore deux. Ma'achalim shiudim b'verur, shinagou ba'em kodem netilat yadayim shacharit. Alors la troisième halakha qui nous est donnée ici, c'est maintenant on sait parfaitement que la nourriture qu'on est en train de nous verser, de nous donner, la pomme ou peu importe, kegon, shenel saken bimikre betor beto, comme par exemple à la maison on le sait, il y en a qui ne vont pas faire Netilat Yadayim. Des fois on a des enfants qui ne sont pas spécialement révoltés, mais qui n'ont pas envie d'être religieux, on va appeler ça comme ça. Donc ça on sait de façon réelle que son fils ou sa fille, par exemple, n'a pas fait Netilat Yadayim. Hem devarim yeveshim. Et il s'agit de choses qui sont sèches. Alors on va prendre un exemple que nous donne elle-même la halakha. Kegon, perot, irakot, vechol chadomé basé. Une personne a une fille ou un garçon qui ne fait pas Netilat Yadayim. Il n'est pas religieux, il n'en a rien à faire, ça ne lui parle pas du tout. Il est tellement empreint de sa clipa personnelle qu'il ne voit même pas l'intérêt de faire Netilat Yadayim. Il est révolté, il a vécu son expérience, il n'est pas encore dans le monde de la Teshuva, peu importe. En tout cas, il n'a pas fait Netilat. Il vient vers son père et lui tend une pomme. Maintenant, le père, il sait que son fils n'a pas fait Netilat Yadayim. Quand tu vas acheter dans un magasin, tu ne peux pas faire d'enquête, on n'est pas là pour juger. Quand l'Israël becheskat kasher, on imagine que tout le monde est kasher. Mais quand tu le sais de façon évidente, tu sais que ton fils, il n'a pas fait Netilat Yadayim, il ne fait rien du tout, et il te tend une pomme ou un concombre, par exemple, que tu lui as demandé. Dans ce cas-là, écoutez bien la halakha, le Rav Ovadia, il dit qu'il faut faire Netilat Yadayim à la nourriture.
si ce sont des choses sèches. Par exemple, un fils donne à son père une pomme, une orange, peu importe ce qu'il va lui donner, et on sait que ce fils-là n'a pas fait Nitilatedem. Qu'est-ce que fait le père dans ce cas-là? Il prend la pomme et il la fait passer trois fois sous l'eau. Il fait netilat à la nourriture si elle est yevesha. Si le mec il prend du pain de son fils, il le met sous l'eau, il est idiot. On parle de choses qui sont yevéchim, c'est-à-dire de choses qui sont sèches. Et dans ce cas-là, des choulé alma, selon toutes les déotes, si je fais netilat, vous vous rendez compte combien la netilat est importante le matin? Si je sais de façon évidente que celui qui me donne ce que je vais consommer et que c'est possible de le mettre sous l'eau, lui n'a pas fait netilat adaim, je fais netilat aux fruits. C'est un truc de malade. Je fais netilat aux légumes, parce que je peux le faire. Aval, et maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce qu'il m'a donné n'est pas sec? Aval, machalim, rakim. Toute nourriture qui, par contre, elle ne peut pas se mettre sous le chiev, chale chot fam, ibilish, erdrub, maïm, betocham, comme par exemple du pain, un croissant, chol chaoul, c'est baisé, mais ton fils, il vient et tu dis, papa, je t'ai acheté un pain au chocolat. Il est gentil. Il prend le pain au chocolat et te le donne dans les mains. Tu n'as pas fait netilat. Tu me mets de la touma, ma mâche, sur ce que je vais manger. Alors écoutez bien la halakha parce qu'elle est surprenante. Le chen mashkim, ou des boissons, et on sait que la personne n'a pas fait netilat edaim. Minadin yesh la tiram bediavad. Alors, selon la halakha, c'est permis bediavad. Pas a priori. A posteriori, on aurait le droit de le manger. Mais pas a priori. Si vraiment on sait de façon évidente qu'il n'a pas fait netilat, préférable, avec beaucoup de délicatesse, de diplomatie, de trouver les mots sages, au lieu de lui dire non, tu ne fais pas netilat, t'es un porc, t'es un ceci, t'es un cela, mais non, juge pas. Mais lui dire, Todarba, pose, je vais prendre tout à l'heure. Trouve les mots qu'il faut, aval, est-ce que oui ou non j'ai le droit de le manger? A posteriori, non pas a priori, oui. Bechel mashkim shinegu baem kodem netilat yadayim shacharit minadin yesh la'atiram bediavad. Bechol sheken, im negu baem yeladim ktanim. Il y a plus forte raison quand il s'agit aussi d'enfants qui sont petits. Chez lui, il y a les mitzvot. Et on sait que ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de la mitzvah. Il y en a qui disent 6 ans, il y en a qui disent 13 ans. Chez Eshlakel Bazayoter. Plus les enfants sont petits, moins la touma est grande. Ceci étant, il y en a quand même. C'est plus facile de prendre, par exemple, quelque chose d'un enfant que d'une personne qui est déjà au-dessus des 13 ans ou des 12 ans pour une fille. Mais comme Makom Amachmir chez Lole Ochlam. Et le Rav Ovadia nous dit, celui qui sera vigilant de ne pas les consommer, parce qu'il sait de façon Vadaït, que la personne qui lui a donné n'a pas fait netilat yadayim, tavo alav beracha. Viendra sur lui la bénédiction, car il faut savoir qu'il y a des conséquences, malgré tout, à cela, où notre étude pourrait se retrouver troublée, voire des fois manque de compréhension. C'est le mot bactérie que je cherchais tout à l'heure. C'est le mot bactérie. Ces virus-là, dont on parle de la touma, ressemblent à des bactéries. C'est exactement ce dont à quoi ça ressemble en comparaison. Ça m'est revenu. Pourquoi? Écoutez bien. Alors là, l'alakha, elle est magnifique parce qu'il dit, le Rav Ovadia, « Mikol makom, cependant, amachmir shelo leochlam, celui qui sera vigilant de ne pas les consommer, parce qu'il sait que son fils vraiment ou sa fille n'a vraiment pas fait netilat yadayim, tavo alav biracha, she'enefsed meruba badava. » Bien entendu, s'il n'y a pas trop de pertes, si maintenant c'est parce qu'il ne va pas le manger, ils vont jeter à la poubelle et que ça a coûté beaucoup d'argent, c'est autre chose. Ou bien, maga shel goy. Et maintenant, on finit avec cette question-là, on dit, qu'est-ce qui se passe avec un goy? Arrête un goy, lui, il ne fait pas netilat yadayim, mais même s'il le faisait, ça ne l'aiderait pas. She'en lachush klal, umutar le'chol vilishtot mina ochalim amashkim alalu bilishum pikpuk. Par contre, un non-juif, quoi qu'il te donne, de toute façon, lui, ça ne change pas les choses, parce que même s'il faisait netilat yadayim, l'impureté resterait toujours sur lui. Et pour finir, le Rav Ovadia a fini avec une halakha. Il faut faire attention non seulement à faire netilat yadayim, mais de ne pas déposer notre nourriture dans les endroits qui sont susceptibles d'être des endroits empreints d'impureté, comme les toilettes. Et c'est pour cela qu'on ne dépose jamais des cajots de nourriture dans les toilettes. À l'époque, en France, je me souviens, comme on était très nombreux dans des deux pièces, trois pièces, on n'avait pas où ranger les caisses de cajots, de fruits et de légumes. On les empilait des fois dans les toilettes, qui étaient des grandes toilettes. Et cette chose-là, bien entendu, est déconseillée fortement par la halakha, bediavadesh la tiram. A posteriori, on pourrait permettre, mais bien entendu, celui qui veut se protéger, celui qui évitera,
de mettre quoi que ce soit dans les toilettes. Bon, aujourd'hui, c'est plus le sujet parce qu'on est dans un monde moderne. Aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de choses. On a une cuisine, on a des rangements qui nous permettent de pouvoir le faire. Mais il dit que c'est seul celui qui n'aurait pas le choix pourrait mettre de la nourriture dans les toilettes et les nettoyer, bien entendu, de les lichtofotam, des légumes et les fruits, avant de les consommer. Le mieux, Bichlal, il dit comme ça, il y en a qui disent que selon Midat Hasidut, tout ce qui est placé sous le lit, tout ce qui est placé dans des endroits où il y a choura, la touma, eh bien, il est préférable d'éviter de consommer ce genre de nourriture, car malheureusement, ça a de l'influence sur nous et provoque des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas, mais ça n'empêche pas à ces choses d'exister et de nous mettre KO. Sruta Torah Tagen Alechem Valenu Al Kol Am Yisrael. Je refais tout de suite après Bezrat Hashem un shiur sur une idée très importante à retenir qu'on étudiera de la parasha de Vayechi. Une idée. On va voir ensemble, avec l'aide d'Hashem, comme quoi chez En Yush Klal Baolam. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabbah.